Voilà, c'était le jingle, vous l'aurez reconnu, annonciateur de cette nouvelle conférence intitulée « Hacking versus sécurité informatique, l'incompatibilité profonde ». Une table ronde que j'aurais tout aussi bien préféré ne pas animer, puisqu'on m'a laissé entendre que je serais pris entre deux feux et qu'il s'agirait pour moi, sinon d'encaisser les coups, du moins de les parer ou de les compter. Mais bon, on va essayer de s'élever au-dessus du niveau du ring, ce qui finalement va être un peu difficile pour moi. Tant, je vous l'avoue, je suis plus ignorant encore en sécurité informatique que le premier script qui dit « venu ». Alors je vous propose d'entrer, de poser assez cuistrement la question sur un mode littéraire qui me sied beaucoup plus, et on va poser cette problématique en termes faustiens. Est-ce que le hacker vend son âme au diable quand il passe dans le domaine de la sécurité informatique ? Pour en débattre, et pour tenter d'apporter une réponse à ce qui n'est peut-être qu'un troll, si j'ai bien compris, pour en débattre autour de cette table, à mes côtés, Sébastien Larigné, vous êtes Sébastien, responsable technique chez Atheos, pardon. À vos côtés, Raphaël Rau, avocat au barreau de Lille, spécialisé en droit informatique. À vos côtés, Tris Acatriné, vous êtes Tris blogueuse. Votre blog s'appelle Hackers République avec un C.org, hackersrepublique.org, on m'a dit de le citer plusieurs fois. Paul Da Silva, vous êtes chieur professionnel, m'avez-vous dit ce matin, vous êtes l'auteur du livre Piratons la démocratie, un livre copyrighté, vous l'aurez évidemment compris. Libre de droit, pardon, quelle erreur de ma part, je vous avais dit que j'étais inculte. Et Sébastien Baudru, ici avec sa casquette de drastique, vous êtes dirigeant d'une société de sécurité informatique. On va commencer avec vous, Sébastien Larigné. Vous étiez ce matin sur le plateau de Canal FM, vous me répondiez à mes questions. Et vous me disiez travailler chez Atheos en qualité de conseiller technique ? De responsable technique. Responsable technique, pardonnez-moi. Et si j'ai bien compris ce que vous faites, vous travaillez à éviter que certains grands groupes, qu'on ne va pas citer, des pétroliers par exemple, se fassent pirater. Tout à fait. En fait, donc, pour résumer un peu mon activité, donc, je suis responsable technique et j'embauche des hackers ou des gens qui, enfin, plus particulièrement des hackers, pour faciliter la sécurisation des systèmes au sein des grands groupes, dont certains pétroliers et certains... Enfin, on ne s'arrête pas que à ce genre d'activité, hein. Enfin, type d'activité, ça, c'est des grands groupes industriels, ça peut être des institutions publiques, ça peut être l'État, ça peut être des associations. Donc, toujours est-il, pardonnez-moi, je vais terminer mon propos pour vous poser la question qui est plus une réflexion finalement qu'une question, réflexion que je me faisais ce matin en vous interviewant, c'était, voilà, pour le dire très simplement, mais une fois encore je suis béotien, vous bossez à éviter que Greenpeace par exemple n'attaque le site d'un pétrolier, sans préjuger du fait que vous êtes un gauchiste. On peut imaginer que vous n'êtes pas sur la même ligne, disons, que le pétrolier en question. Non. Est-ce que du coup, ça ne vous pose pas quelque chose de l'ordre d'un petit problème éthique ? Alors, tout dépend de... Parlez bien, pardonnez-moi, devant le micro. Ouais. D'accord. Tout dépend de ce qu'on va vouloir... De ce qu'on peut définir comme l'éthique. Dans un premier temps, comme on est en... Enfin, que ce soit les hackers ou n'importe qui fait de la sécurité informatique, on est soumis à la loi. Et donc nous, bêtement, en fait, on ne fait que faire en sorte que la loi, d'une certaine manière, soit respectée, en évitant... que des activistes ou des gens qui ne sont pas d'accord de manière politique avec certains groupes rentrent effectivement dans les systèmes d'information de ces 10 groupes. Quand bien même vous pourriez être d'accord avec les activistes en question. Tout à fait. Tout à fait. En fait, il y a une loi. La loi, elle définit... mon collègue en parlera mieux que moi. Hein. Elle est clairement définie et nous on rentre dans le cadre de cette loi. Et dernière chose, après je passerai la parole à mon collègue à côté, c'est ce qu'expliquait Philippe Langlois, qui est l'organisateur de la HES, c'est que quand on de est là, pardon de la HES, la Agito Ergo Sum pour ceux qui connaissent.
Voilà, c'est... Non, je suis sûr, en plus, Philippe t'aime bien. Et donc, il disait, les hackers ne font pas de politique. On n'est pas là pour, on n'est pas là pour faire de la politique. On applique, on est dans le domaine technique, on est dans la découverte, dans la curiosité, dans le code. Et voilà. Donc globalement, vous me dressez le portrait d'un hacker qui, un, reste dans le cadre de la loi, deux, qui ne fait pas de politique, quand bien même il aurait des idées. Tout à fait. Il a le droit d'en avoir au demeurant. Mais en tous les cas, il ne fait pas montre de ses idées dans le cadre de son travail. De son activité professionnelle, tout à fait. Qu'il effectue toujours, a priori, dans le strict cadre légal. On va passer la parole, si vous le voulez bien, non pas à l'ami avocat qu'on va faire intervenir... au terme peut-être du premier tour de table, parce que je sentais nos amis là-bas bouillir à ce que disait Sébastien Larigny. On a le droit de bouiller aussi. Je vais passer la parole à Tris, à Catherine. Est-ce qu'un hacker ne fait pas de politique? Parlez bien devant le micro, s'il vous plaît. Non, le hacker peut faire de la politique. C'est même pour ça qu'on parle d'activiste. Il faut qu'il commence par être hacker, mais à partir du moment où il a la possibilité de mettre en œuvre certaines choses et de changer certaines choses qui ne sont pas forcément bonnes, il faut qu'il puisse en profiter et il faut qu'il le fasse changer. Les personnes qui se battent contre le traité ACTA, dans le lot, il y a des activistes. Et c'est comme ça aussi qu'ils expliquent pourquoi le traité ACTA n'est pas forcément une très bonne chose, notamment sur le plan technique. Sur le plan juridique, les avocats, les juristes sont là pour ça. Mais sur le plan technique, c'est aux hackers que revient la charge d'expliquer ce qui ne tient pas la route, ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas bon. Dans le cas, sur un plan plus national, on peut parler de la loi Godefroy, merci, qui n'est pas du tout en adéquation avec la réalité. Auquel cas, c'est aux hackers de démontrer quelle est la réalité technique. Donc, alors pour reposer peut-être ma question plus clairement. Est-ce que, le hacker qui travaille dans le domaine de la sécurité informatique doit, quoi qu'il lui en coûte, vis-à-vis de ses idées, oublier les dites idées? C'était ça plus ma question, parce que vous me disiez, le hacker ne fait pas de politique, mais dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la sécurité informatique, professionnellement parlant. Donc peut-être Paul Da Silva et vous également, Tris, mais c'était ça ma question finalement. Dans quelle mesure on a ces idées et que politiquement on n'est pas d'accord avec des choses que finalement professionnellement on est tenu de soutenir? Je pense que celui qui est le plus habilité à en parler, c'est peut-être mon collègue. Oui, non, peut-être. Les trois. Dans l'ordre que vous choisissez, après, c'est ça la question. C'est dans quel ordre est-ce qu'on choisit? C'est-à-dire qu'on peut très bien partir du postulat qu'on va mettre nos idées de côté parce qu'il y a des raisons financières, il y a des raisons même éthiques par rapport à l'entreprise, tout simplement. On est dans une entreprise, donc on travaille avec cette entreprise-là. Et puis, il y a un autre cas de figure. Typiquement, moi, je suis indépendant en sécurité. Je me permets pas de refuser des clients parce que c'est interdit, mais de modifier un tout petit peu les devis dans certains cas. Un client à qui on va proposer un devis à 250 000% de ce que ça vaut vraiment, on est à peu près sûr qu'il ne nous prendra pas. Ou alors c'est gagnant-gagnant. Enfin, surtout pour moi. Mais poussons l'hypothèse que vous avancez à l'instant jusqu'au bout. Le dit client en question, eût-il accepté de vous payer 250 000 fois, hein, vous l'eussiez fait? Ouais, je pense, ouais. On a tous un prix. Donc, plus voilà, sérieusement. Dans la série oui, non, peut-être, au montage, vous pouvez aussi répondre non. Alors. Donc vous êtes plus sérieusement et le coupez pas au montage. Franchement, je me suis pas posé la question. Très, très concrètement, je me suis pas posé la question. Après, il y a aussi certaines personnes qui l'ont fait, notamment vis-à-vis de la Hadopi, certains experts qui ont réinjecté les sous qu'ils touchaient dans des associations type la Quadrature du Net, auquel cas ça devient une forme aussi d'activisme. Ouais, pourquoi pas, ça peut être faisable. Si demain, je vais rester sur l'exemple de la Hadopi, me paye 250 000 dollars pour pentester un de leurs trucs, d'accord, mais je ne les garderai pas. Vous redistribuez. C'est ça. Sébastien Baudru, on va vous distribuer la parole, on va vous la donner du moins pour répondre à cette même question. Pour terminer le tour de table, vous êtes hacker à la base. Vous êtes maintenant à la tête d'une société informatique. Est-ce qu'il vous semble que vous avez abjuré certains de vos principes de jeunesse? Non,
Non, parce que il y a le boulot, il y a les idées, et le boulot et les idées, on va pas au boulot avec, enfin, pas forcément au boulot avec ses idées, sinon celui qui est feignant, il va pas travailler parce qu'il est parti avec ses idées de feignant, donc il va pas bosser. Donc non, dans l'espace professionnel, on n'est pas, c'est pas parce que professionnellement parlant, on va travailler dans un cadre que forcément on soutient ce cadre. Par contre, faut manger à la fin du mois, faut payer le loyer en début du mois. En règle générale, on mange le long du mois complètement d'ailleurs. Faut manger. Vous faites avancer le débat là, on vous en remercie. Ouais, carrément, ouais, je m'en rends bien compte. Il y a pas quelqu'un aussi. Qui veut parler de. Non, faut boire aussi. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre horaire. Non mais vous n'avez jamais eu l'impression, très concrètement, de fouler un peu au pied des idéaux que vous auriez eus dans la jeunesse en termes de liberté, d'indépendance, que ça, on imagine les idéaux qui peuvent être cédés à cœur et de vous dire, bah là, il faut que je bosse sur tel truc. Non, éthiquement, je veux pas. Peut-être que j'ai jamais eu l'occasion qui m'a été donnée de me poser la question aussi. Mais le boulot doit être fait. Le boulot doit être fait au final. Il faut bien que quelqu'un le fasse et il faut bien que la boîte elle vive. Faut bien que... Moi je pars d'un principe, je sais faire qu'une chose, mon métier. Celui que j'en ai fait mon métier, j'ai ouvert ma boîte pour pouvoir le faire. Donc, ou le faire dans un garage avec quatre autres gus, alors je choisirais probablement ces quatre autres-là, ou alors je le fais à titre professionnel et ça me permet de bouffer, ça me permet de jouer de la musique, ça me permet de boire avec ces quatre autres-là, à des heures en travaillant ou de travailler en buvant. C'est une question de. Voilà, il y a un boulot à faire et autant le faire et se faire payer pour. Après, effectivement. Fut-il une fois encore contraire aux principes qui sont vôtres ? C'est, on peut payer Zaya aussi avec ce genre de travail. Fut-il contraire à notre éthique ? Non, pas dans les extrêmes limites. Mais quand on parle du milieu professionnel, on est plus souple que dans les idées du monde personnel ou associatif. Ouais. Si je peux rebondir là-dessus, Seb, si tu me permets. Raphaël Roux, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lille, spécialisé en droit informatique. Je vais essayer de ne pas faire mon rabat-joie. Justement, au contraire. La question, normalement, ne devrait même pas se poser. C'est-à-dire que toi, tu es chef d'entreprise. Donc, la question, c'est quelle direction tu vas donner à ton entreprise. Tu as choisi ton domaine d'activité. Maintenant, c'est. On parlait du refus de vente. Tu peux justifier un refus de vente. Hein, on en a parlé. Il faut que ce soit des éléments objectifs. Tu peux, par exemple, refuser de vendre à un concurrent direct. Mais actuellement, tu ne pourras pas justifier un refus de vente uniquement sur le fait que cette entreprise, ou ce client, ce prospect, qui d'ailleurs n'en est pas un, parce que si tu ne veux pas te contracter avec lui, c'est que généralement tu n'as pas été le chercher, finalement, je n'ai pas les mêmes idées que lui. Et je ne cautionne pas son activité. Ça, aujourd'hui, comme ce n'est pas objectif, tu auras du mal à le mettre dans un code de commerce ou dans des décisions de justice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle une clause de conscience. Il n'y a pas ça. Voilà, je ne peux pas refuser par... Il y a plusieurs choses. Il y a le fait que tu sois chef d'entreprise, donc ça c'est le code du commerce. Tu as la clause de conscience en fait, qui existe... pour les avocats, pour les médecins, qui permettent... Moi, je suis collaborateur dans un cabinet, je peux refuser un dossier. Parce que je considère que ce dossier qui m'est confié par le cabinet est contraire, justement, à mes principes et mes convictions. Et c'est vrai que ça n'a pas été porté pour les entreprises commerciales. Donc, on est sur le code du commerce classique. Et quand tu es salarié, hein, parce que même tu n'es pas tout le temps dirigeant, les salariés qui refuseraient de traiter un dossier, y a des choses qui existent aussi. C'est-à-dire que tu as ta sphère privée, ta sphère travail. Et tu as une sphère de vie privée au boulot. Même quand tu es administrateur réseau, on n'est pas censé savoir tes opinions politiques, tes accointances religieuses. Tout ça, c'est du domaine du perso. Ça ne devrait jamais donner lieu à une sanction dans ton boulot. Je dis ça ne devrait jamais parce que ça existait, mais normalement, en principe, c'est complètement séparé. Tu voulais réagir ? Il marche ou pas ? Trice à Catherine. Ouais. Sinon, là, on parle interaction, hacker, sécurité informatique, entreprise. Mais dans le monde, notamment des agences de communication, j'en ai une en tête en particulier, qui est assez connue, qui dit ouvertement, tout ce qui est parti politique, nous refusons de travailler avec, de façon à ne pas être étiqueté. Ça peut être aussi des choses comme ça. Maintenant, il y a aussi un truc qui est très simple. Si on prend l'exemple inverse, comment est-ce que certaines entreprises... peuvent arriver à faire quelque chose de correct si elles ne vont pas chercher ceux qui ont l'information, à savoir les hackers. Comment ils sont censés évoluer ? Comment ils sont censés connaître ? Comment ils sont censés savoir que ce qu'ils font n'est pas bien, vu que ce n'est pas forcément leur cœur de métier ?
D'ailleurs, les hackers sont embauchés. Les hackers sont embauchés par les plus grandes boîtes. Donc, tu vois, Facebook ouais, alors. Ouais, bah, y a Sébastien Marigné. Il y a Facebook, il y a Apple. Apple, par exemple, ils ont. C'est une stratégie un peu américaine, ça. Ouais, c'est ça. Ils ont leur, ce qu'on appelle leur Red Team. C'est-à-dire qu'ils ont créé leur. Red Team. Donc, ils ont créé leur propre team de hackers. Qui recrutent. En gros, en plus, avec la force financière qu'ils ont, ils ont quasiment recruté les meilleurs. Et ils auditent leur propre système et leur propre. Informatique. Et leur propre système d'exploitation qu'ils développent. Enfin, voilà, c'est pour justement parer à des éventualités qui seraient, qui pourraient mettre en danger Apple. Puisque après, au niveau tout ce qui est jailbreak qui tourne autour de l'iOS, qui est le système d'exploitation Apple. On pourrait dire, ok, ils ont cette équipe, donc c'est des incompétents, ils n'ont pas trouvé et tout. D'un certain côté, Apple a tout à gagner que leur système continue à être jailbreaké parce que c'est comme Windows qui était piraté massivement il y a 15 ans et qui continue à l'être. Ça, l'utilisateur continue à s'en servir, à l'utiliser. Et donc, je pense que, pour revenir à ce que tu disais sur les entreprises et la connaissance et les systèmes, certaines sociétés sont bien au fait. Des problématiques techniques et des risques qui existent et donc embauchent des gens compétents dans le domaine pour répondre à ces problématiques-là et d'autres pour des raisons soit financières ou tout bêtement parce que c'est le marketing qui prime au lieu que ça soit la sécurité et la sûreté n'investissent absolument pas là-dedans et c'est absolument pas leur... Il faut savoir en termes de chiffres. Je me suis amusée à regarder combien les entreprises, que ce soit les toutes petites ou que ce soit les très très grosses entreprises ou les administrations qui ne sont pas exclues du schéma, consacrées à la question de la sécurité informatique. C'est entre 0,5% et 5% maximum. Le plus gros du budget d'une structure professionnelle est consacré au marketing, à la communication. À ce stade-là, là peuvent rentrer les hackers. Justement, pour signaler, les failles qui ont été explosées chez Sony, elles avaient été signalées par le passé. Donc Sony le savait. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ça s'est retourné contre eux, mais ça s'est surtout retourné contre les utilisateurs qui, derrière eux, ont eu des problèmes, notamment d'un point de vue financier. Non, tu ne peux pas être partout. Donc les hackers servent aussi à ça. Donc même quand les hackers veulent travailler, veulent aider, veulent signaler, etc., on les renvoie dans les buts et les entreprises ou les Mais alors pourquoi dans l'exemple de Sony, on les a renvoyés dans leur filet, les hackers? Il y a une question d'ego aussi des entreprises qui ne veulent pas se remettre en question. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'autruche, globalement. Il y a aussi faire l'autruche, mais il y a aussi peut-être un truc très simple, c'est que... Alors, c'est le cas en France, c'est un peu le cas aux États-Unis, ça l'est beaucoup moins en Allemagne ou dans les pays nordiques où la mentalité est tout autre. Le terme hacker fait peur, parce que les médias, malheureusement, l'utilise aussi à tort et à travers. Ouais. Que pour certaines personnes, le hacker, le pirate, le cracker, tout ça, c'est à mettre dans le même sac, que personne ne fait la différence. Et que du coup, quand Sony se fait exploser avec ses failles qui apparemment étaient signalées depuis très longtemps, tout le monde a parlé de hacking. Non, c'est pas un hacking, ça. Le hacking, c'est prendre un système, l'améliorer, le reconstruire. C'est ça, le hacking. C'est pas venir et tout casser. Et Paul Da Silva. Vous voulez réagir peut-être? En fait, je voulais dire à peu près exactement la même chose, donc je vais me taire. Non, et puis, pour revenir à ce que disait Tris, la différence entre certains, au niveau des pays, au niveau de financer justement la sécurité informatique au niveau des sociétés, c'est souvent la loi qui drive ça, c'est les contraintes réglementaires. Aux États-Unis, ils ont des contraintes réglementaires qui sont bien plus fortes que chez nous. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais typiquement quand une société se fait défoncer par un groupe, ils sont obligés de l'annoncer aux médias. C'est ça. T'as une obligation pour tout le monde en fait là-bas de notifier les failles de sécurité. Aujourd'hui, ici, c'est que pour les opérateurs, mais ça va s'étendre étant donné que sur 3 ans, on va avoir un règlement européen qui va nous obliger à faire ça. Ouais, et une autre loi aussi qui a énormément fait avancer les choses aux États-Unis, c'est la loi Sarbanes-Oxley, qui a obligé les sociétés
à surveiller ce que faisaient les utilisateurs au sein des systèmes d'information. En France, là-dessus, et dans d'autres pays d'Europe, c'est un petit peu l'âge de pierre, quoi. On commence à mettre des systèmes en place, mais le problème pour beaucoup de sociétés, et je pense que pas mal de gens vont être d'accord là-dessus, c'est que les sociétés de sécurité informatique vendent de la boîte et elles ne vendent pas du conseil. Quand je dis elles vendent de la boîte, elles vont vendre du logiciel facile à installer, à déployer, et le marketing qui vend cette solution, elle va leur dire pas de problème, si vous avez installé ça, vous allez être protégé. Sauf que dans la vraie vie, on se rend compte que c'est pas vrai. Parce que Areva, par exemple, qui avait des systèmes de sécurité qui étaient quand même loin d'être nazes, ils sont fait trouer par on sait même pas qui d'ailleurs, sûrement des Chinois, pendant 2 ans. Non, mais pendant 2 ans surtout, ça a duré. C'est-à-dire que le gars qui est rentré, il a eu le temps de faire des choses. Pour Bercy, le piratage de Bercy, c'est pareil, ça a mis un peu de temps avant de. Et pourtant, ils sont pas démunis. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes compétentes dans les départements de sécurité informatique des grandes sociétés pour surveiller ce genre d'activité. Alors, juste sur la question de la compétence et du recrutement. Dans le cadre des institutions, il y a aussi un problème très simple. Et là, on va être très basique. Il faut mettre le pognon sur la table aussi. Alors, t'as un problème d'argent. Et t'as un autre problème, c'est les grilles des ressources humaines. C'est-à-dire que quand tu rentres pas dans les grilles des ressources humaines parce que t'es autodidacte et que t'as pas un bac plus 5... En ingénieur informatique, c'est ça. Et encore, souvent, en ingénieur informatique, on croit que t'es développeur, alors que c'est pas forcément vrai. C'est juste impossible à caser, quoi. Il faut mettre le pognon sur la table, c'est-à-dire qu'on ne paye pas suffisamment. Alors, a priori les spécialistes en sécurité informatique. Deuxièmement, on ne recruterait pas, à vous entendre, spécialement les bons, puisqu'on se fierait exclusivement à un cursus qui n'est peut-être pas révélateur d'une expérience et d'un savoir-faire réel. Ouais, il y a ça. C'est-à-dire très basiquement qu'on est cher. Vous êtes cher. Ouais, mais... il y a ça aussi, mais il y a un truc tout simple, c'est que d'une, en France, on parle, on a besoin de gens qui rentrent dans des cases, t'as un diplôme, t'es docteur en informatique, super, mais le type, vous lui posez 3 questions idiotes, il sait pas vous répondre. À côté de ça, celui qui s'est formé tout seul, là, qui a bidouillé sa bécane tout seul, qui s'est cassé les dents 15 fois dessus, il est meilleur que celui qui est docteur en informatique. Ça va faire plaisir aux directeurs d'école qui sont peut-être dans les... couloir du salon. Mais une généralité, je suppose qu'il y a quand même des ingénieurs en informatique qui sortent d'école qui sont calés. Ils étaient bons avant, ceux qui sont bons, ils sont partis à l'étranger parce qu'on leur a donné plus de moyens aussi. Ouais. En France, ils sont pas assez payés. Il y a ça, pour beaucoup, il y a le challenge technique. Aujourd'hui, la seule structure qui propose un challenge technique qui vaille le coup, c'est l'ANSSI, donc une agence nationale. C'est les seuls aujourd'hui. L'ANSSI, c'est l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est une agence d'État. C'est une agence d'État. C'est eux qui coordonnent tous les projets de sécurité, l'audit et ce qu'on appelle les organes vitaux, c'est-à-dire ils vont intervenir, et protéger tout ce qui va être Areva, EDF, donc tout ce qui peut être tout ce qui est un critique et stratégique, surtout stratégique. Et donc le souci aujourd'hui, c'est que les seuls vraiment à dire nous on est l'État, donc on a un budget illimité, et si vous voulez venir vous éclater, venez chez nous. Et donc aujourd'hui les gens qui sont très compétents et qui sont très très bons partent à l'ANSSI, l'ANSSI parce que c'est quand même 80 postes par an qu'ils ouvrent. Faut savoir que les écoles aujourd'hui doivent sortir entre 15 et 40 personnes qui sont compétents en sécurité informatique, qui n'ont pas forcément suivi un cursus de sécurité informatique, qui sont compétents en sécurité informatique. Parce que souvent, par exemple, dans le cas des écoles généralistes, la spécialisation, c'est 3 mois. On a 3 mois de spécialisation sur 5 ans d'études, on a 3 mois de spécialisation de sécurité informatique. Donc, après, voilà.
Et Paul Da Silva. C'est des cursus qui sont super récents. Il faut savoir que je crois que ça fait 2 ans maintenant que c'est inscrit au programme de l'éducation nationale dans les DUT et ainsi de suite qu'il y a de la sécurité informatique. Les profs ne sont pas formés. Les enseignants, du coup, sont absolument incapables de donner des cours sur le sujet et on continue à avoir des gens qui sortent, qui font du code dégueulasse. Et donc, nous, on continue à avoir du boulot. Sympa, hein, y a pas de souci. Moi, je vois que je donne des cours régulièrement en école d'ingé. C'est des gens qui sont chefs de projet derrière, donc qui n'ont pas vocation à coder ou quoi que ce soit, mais qui, au minimum, savent un peu de quoi est-ce que, à quoi ressemble une faille, comment la patcher, et ainsi de suite. Ça, c'est super récent, c'est-à-dire que dans les programmes, je crois que c'est 2 ans, ouais, c'est quelque chose comme ça. Et après, il y a des cursus spécialisés qui doivent avoir 5 ou 10 ans maximum. Donc, de toute façon, ça fait relativement peu de monde. Et donc, comme ils partent à l'étranger. Trissa Catherine, et puis peut-être après Raphaël Roux. Une autre chose qui rejoint la question de la formation. Je suis tombée sur des ingénieurs, même si je ne sais pas ce que ça veut dire en fait, qui manageaient des DSI, qui travaillaient là-dedans. DSI précisé pour l'ignorer que je suis. Direction des systèmes d'information. C'est généralement tout le pôle informatique d'une structure, peu importe la structure, on s'en fiche. C'est un nom générique où on met tout ce qui touche à l'informatique. On lui dit on va faire des audits, etc. Il me dit, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je dis non, de toute façon, je vais le faire en mode salopard, c'est-à-dire que je vais y aller en black box, j'y vais pour tout casser, sauf que je ne vais rien casser au final. Et il me dit, est-ce qu'il faut que je te débloque des droits particuliers? Ingénieur, bac plus 5, bonjour. Moi, juriste, jamais fait d'informatique très formelle comme mes collègues. Hein, moi, tout appris comme ça. Et donc, lui qui est ingénieur, il ne sait pas ce que ça veut dire le terme black box. Pour rebondir sur ce que tu dis, justement, si les ingénieurs ne savent pas ce que veulent dire les termes black box et autres, pense à la direction. C'est-à-dire qu'on a, nous, le même problème en droit, hein, c'est qu'on doit justifier de la valeur juridique, enfin en tout cas de la valeur économique du département juridique. Et souvent, ça c'est un problème aussi un peu français, c'est que quand vous allez aux États-Unis, je n'idéalise pas du tout le système américain, mais le département légal, il est vraiment dans le top management. Donc vous avez une décision qui est prise, elle est prise avec le juriste, elle est prise avec le techno, voilà quoi. Le dirigeant, la plupart du temps, il n'a pas vos compétences techniques. Même d'ailleurs, il ne les a jamais. Sauf dans une entreprise vraiment spécialisée. C'est pas son boulot, et il s'en fout. Et à la limite, ce qui justifie aujourd'hui le fait qu'il y ait peu de dépenses dans la sécurité informatique, c'est qu'on n'a pas encore réussi totalement à leur vendre l'avantage économique qu'on peut tirer de la sécurité informatique. Et voilà, exactement. Et on parlait de l'obligation de notification, ça, à mon avis, ça va faire bouger les lignes. Parce que le jour où on va leur dire, l'image de la boîte, c'est important, ça vaut de l'argent, oui, c'est ce qu'on avait dû vendre avec la propriété intellectuelle. On dépend d'une marque, pourquoi? Ça coûte des sous, ouais. Mais on va protéger. On peut réagir, mais pas par onomatopée. Hein. On peut protéger la marque, ça va nous faire gagner de l'argent. Bah, la sécurité informatique, on va sécuriser notre SI et on va le tester en plus, donc avec des mecs qui savent de quoi ils parlent, parce que justement, on va perdre des données confidentielles, du coup l'usine va pas être construite à l'identique de l'autre côté de la frontière comme ça s'est fait pour Valeo par exemple, et du coup, on va conserver de l'argent et on va gagner de l'argent avec la sécurité informatique. Donc le jour où ce sera devenu un argument commercial, désolé hein, mais je fais un peu mon Ronald McDonald. Argument commercial égal sécurité informatique renforcée dans les boîtes. C'en est un. Donc qu'est-ce qui vous faisait éructer dans ce qui vient d'être dit? Qu'est-ce qui t'a fait propriété intellectuelle insupportable. Insupportable. Oui, c'est vrai. Non, mais il a raison. Ça va pas ensemble. On peut pas posséder une idée. C'est pas normal. Ça n'existe pas. Mais c'est un autre débat. C'est pas un débat. C'est déjà tranché. Vas-y. L'idée, c'est pas protégeable. Hein. Même aujourd'hui. Hein. C'est l'idée concrétisée qui est protégeable. Ah oui. Voilà. Pardon, c'est des fourbes. Je vais pas commencer à troller. C'est des fourbes. L'idée n'est pas protégeable. C'est l'idée concrétisée qui est protégeable. Le droit. Hein. Un truc de droit. Quoi. Non, moi, je voulais juste dire, c'est qu'en fait, on a un gros problème aussi. Moi, je vais rebondir sur une vieille remarque vieille à l'échelle de notre temps là, c'est-à-dire d'il y a 10 minutes à peu près de Seb, où il dit c'est une boîte qui va vous vendre un truc tout vendu, tout fini. C'était juste ce que j'entends tous les jours dans la vie pro. C'est un deux. C'est qu'est-ce que tu fais dans ta vie, t'installes des antivirus. Et quand on me dit, ouais, t'es un vendu, t'as monté une boîte en sécurité info, donc tu n'es plus un hacker, donc, et t'installes des antivirus. Et en gros, il y a une échelle binaire, hein, pour des informaticiens, c'est quand même un peu banal. C'est soit t'es un hacker, soit t'es en sécurité info et tu vends des antivirus.
Donc soit tu es un hacker et soit tu es un incompétent, parce que sécurité informatique, dans le monde du hacking, on va souvent dire que c'est des incompétents. Parce que pour monter une boîte ou pour vendre son business, il faut être commercial, et typiquement, c'est pas le genre de la maison d'être des bons commerciaux dans l'informatique en règle générale et dans le hacking en plus. Donc si le type il est bon en commerce, c'est qu'il n'est pas bon en technique, et donc en sécurité info, il n'est pas bon. Un hacker, il est peut-être bon. Voilà, il y a juste une échelle comme ça extrêmement binaire, il est bon, il n'est pas bon, il est hacker, il est sécurité info, et juste parce qu'on ne connaît pas le métier, on ne connaît pas les produits, on ne connaît pas les solutions, et c'est un problème de marketing, entre guillemets, pas des sociétés, c'est un problème de marketing de la science en fait. On a lutté depuis des années avec Moi Drastique et puis l'association Akissi qui organise les RSSIL pour justement rendre l'image réelle de ce que c'est que la sécu info et comme quoi qu'on peut l'appliquer. Nous on l'applique avec une association, on l'applique avec la société Drastique, on l'applique avec le monde du hacking, on a participé activement à l'organisation du HES dont tu parlais tout à l'heure, l'Acquito Ergo Sum de Paris. On organise les RSSIL, c'est pas des rencontres grandement professionnelles, on essaye d'y mettre du pro, on essaye d'y mettre du beau, mais du troll un peu aussi, et de la bière il y en a. Il y a tout un milieu qui est méconnu, et du coup c'est peut-être pour ça qu'on considère que la sécurité info c'est plus du monde du hacking. On va pas, pour terminer mon petit discours là, je reviens sur la remarque de Trice, je crois, à propos des idées. Elle a prononcé un mot, c'est activiste. Activiste c'est pas hacker, et hacker c'est pas forcément activiste. Donc on peut être un employé de sécurité informatique, il est hacker, mais il est pas activiste quand il est au boulot, ça reste un hacker technique ou philosophique, puisque c'est une philosophie le hacking, il n'est pas forcément activiste quand il est sur son lieu de travail. Donc vous venez de répondre à la question, hein, finalement. Il n'y a pas du tout, Sébastien Baudru, incompatibilité profonde entre le hacker et le gars de... En tout cas, je crois un cutrice qui m'a fait un signe de la tête, oui, c'est pas moi, pas... j'en embauche, hein, donc... Moi, j'en mange. Paul Dassiva, vous vouliez rajouter quelque chose? Non. Une petite éructation? Une anecdote. Bon, d'accord, je fais l'anecdote alors. Non, mais c'était, comme ça faisait un peu longtemps qu'on en avait parlé, mais sur la valeur du travail, petite anecdote pour le coup que j'ai rencontrée, c'est un client qui, donc avec un site commercial, m'approche et me demande si effectivement il a intérêt à dépenser des sous dans la sécurité de son site. Ça m'a pris à peu près 10 minutes pour lui ressortir les coordonnées de tous ses clients avec la carte bleue à côté. Donc oui, il y a de la valeur dans ce qu'on fait. Il y a beaucoup de valeur même dans ce qu'on fait. Et t'as pas fait payer ta démo? Non, j'ai pas fait payer la démo, mais il était très content de signer le devis. Autre petite anecdote que vous me livriez ce matin, Paul Da Silva, vous êtes amusé à tester la faillibilité des sites, de certains sites gouv.fr. Vous l'avez fait visiblement assez facilement, vous le leur avez fait savoir et vous avez reçu un mail d'un hacker disant « c'est bien gentil Coco tes histoires, mais moi je fais du bise sur gouv.fr ». On ne sait pas trop quel bise, mais apparemment vous avez été contacté par un hacker qui vous a dit « bah, moi, j'ai mon business, là. » Du coup, c'est pas un hacker par rapport à alors, ce qu'on est en train de dire. Alors, il est quoi, lui ? Bon, c'est... Bah, c'est un criminel. Ouais. Non, non, on va faire un truc que j'aime bien, on va faire un cybercriminel. C'est comme les cyberguerres, après cybercriminel, ça fait des cybermorts, c'est rigolo. C'est... Ouais, donc pour l'anecdote, en fait, on était trois, on s'est donné une plage de 24 heures Google et nos navigateurs et on s'est amusé à essayer de casser tous les .gouv.fr. Il y en a eu 40 qui sont tombés en l'espace de 24 heures à trois. Donc, effectivement, ça a foutu un petit bordel assez rigolo. Bonjour la DCRI, bonjour la NCI. Ils ont beaucoup aimé, il n'y a pas de souci. Oui, bah, c'est pour ça que je dis bonjour. Ils ont beaucoup aimé. Par contre, il y a effectivement des gens qui n'ont beaucoup, probablement plus, mais il y en a un qui nous a contactés. Il y en a un au moins qui n'a pas vraiment apprécié la blague, pour le coup. Parce qu'effectivement, il se servait des points gouv pour faire Dieu seul sait quoi et ça ne m'intéresse pas. Et qu'a priori, la faille qu'on avait signalée et qu'il utilisait avait été patchée. Pour l'anecdote, il y a 3 semaines, je crois que j'ai cassé vaucluse.gouv.fr, trouvé un joli remote shell dessus, c'est magnifique, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'on a répondu au finish à cette vraie fausse question, peut-être, qui nous animait? Peut-être il y avait pas même de questions. En tous les cas, j'en pose une ultime avant de vous laisser peut-être la parole. Est-ce que le hacker, il est politisé, à votre sens? Est-ce qu'il se doit de l'être ou alors pas du tout? Là, ou est-ce qu'il y a, disons, parce que vous disiez à l'instant, Sébastien Baudru, qu'il y a une philosophie du hacker, est-ce que cette philosophie, elle est
politique obligatoirement, et est-ce qu'elle va dans un sens politique plutôt qu'un autre? Est-ce qu'on est humain? Est-ce qu'on a des idées? Est-ce qu'on est humain? Est-ce qu'on a des idées? Ouais, c'est ce que j'allais dire. On est avant tout citoyen. C'est ça. Après, effectivement, il y a des causes à combattre, comme l'ACTA, comme qui pour X raisons, hein, parce que techniquement, ça tient pas la route ou. Légalement, c'est un autre. Là, je vais pas me. J'irai pas sur ce terrain. Mais enfin, voilà, effectivement, si on prend par exemple, moi, il y a un groupe que j'aime bien, c'est le Chaos Computer Club allemand, qui est une référence. Qui, pour le coup, quand il y a des, quand les systèmes informatiques commencent à être un peu trop près au niveau du contrôle des populations, le montrent et montrent quels sont les dangers qui sont liés à ce contrôle des populations. Et je pense que là, oui, là, le hacker devient activiste, sauf qu'il est avant tout citoyen, c'est-à-dire qu'il protège sa liberté, il protège les gens avec qui côtoie, lui-même, et, enfin, voilà. Et il fait avancer le débat. En l'occurrence, c'est juste utilisé comme une autre forme d'expression, comme un auteur pourrait écrire un papier, comme un journaliste pourrait écrire un papier, comme un musicien pourrait faire une chanson à ce propos-là. Un hacker, il va démontrer juste d'un point de vue technique que, bah non, là, il y a un problème. Voilà. Plus simplement, enfin, je rebondis sur ce que vous avez dit tous les deux. Est-ce que je suis un être humain ou est-ce que je suis une marchandise? Je vous pose la question. Mais justement, à partir du moment où on est un être humain et pas une marchandise, c'est le hacker, en fait, se positionne par là-dessus. Il y a une phrase qui est très célèbre qui dit « Si le produit est gratuit, c'est que c'est vous qui êtes le produit. » Mais pardonnez-moi, vous disiez à l'instant, tout à l'heure du moins, qu'il fallait mettre le pognon sur la table. On a laissé entendre aussi qu'on pouvait passer au-dessus d'un certain nombre d'idéaux si finances suffisantes il y avait. On avait dit aussi qu'on pouvait s'asseoir également sur... Donc est-ce que, d'une certaine façon, vous êtes certes des êtres humains qui avaient des idées, mais vous pouvez aussi vous transformer en marchandise, lors même que vous vous marchandisez, puisque vous vous vendez aussi. Le fond de la question, c'est de savoir s'il y a quelque chose que tu ne ferais pas pour de l'argent, en fait. Pardon, j'aime beaucoup. Bien. Redevenons deux secondes sérieux. C'était quoi la question? Voilà, Sébastien Baudru. Mais vous me disiez être humain ou marchandise. Je me permettais simplement de vous dire que visiblement, au vu de ce que j'ai pu entendre, il y a des moments où vous marchandisiez, non? Ça dépend le prix. Ça dépend. Ouais, c'est pas non plus pour n'importe quoi. Ouais. Et puis on se marchandise. Enfin, ce qu'il faut voir, c'est que les gens qui marchandent, la marchandisation, de toute manière, elle est quoi qu'on fasse, elle est là. C'est les grands groupes qui continuent à faire qu'elle existe. Donc moi, tant que des grands groupes qui font 10 milliards de bénéfices par an continuent à me payer, moi ça me pose pas trop de problèmes. Et je continue. Enfin, mais par contre, de manière totalement gratuite et totalement bénévole, il m'arrive de travailler pour des associations ou des institutions ou des académies. Ou, enfin voilà, c'est le. Je vous traitais pas de vendu. Hein, non, 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 non. Mais pour dire que c'est pas. Enfin, tout dépend qui on a en face aussi. Qui est en face de qui, avec qui on côtoie. Il y a une phrase qui dit pour s'asseoir à la table du diable, faut être le diable. Bah, c'est un peu le même, c'est un peu la même chose. Il y a un bon parallèle à faire avec les journalistes aussi. Est-ce que le journaliste, quand il écrit son papier, est-ce que quelque part, s'il écrit contre ses idées à lui, est-ce que quelque part il s'est pas vendu aussi? Est-ce qu'un avocat qui défend un criminal, il s'est pas vendu aussi? Clause de conscience. Soit t'es profession réglementée, toi. Et par ailleurs, il existe également une clause de conscience pour le journaliste. Donc seulement s'il y a un changement de propriétaire du magazine. De fait, c'est vrai. Et en cas de fin de contrat de travail. Elle vient de bâcher le monsieur avec la chemise canadienne. Qui va clore cette table ronde alors, puisque visiblement elle se... Ah ouais, c'est terminé dans le bon sang, mais sans il était dit que je prendrais des coups, voilà. Encore que je n'en ai pas pris un, je me suis permis de dire qu'effectivement il existait une clause de conscience dans le cadre du journalisme, mais pas dans l'exercice même de l'écriture de son papa, de fait. Mais on ne parle pas journalisme, on parle hacker. On va peut-être vous céder la question. On va vous soumettre à la question, voilà.
va vous céder la parole, plus exactement, si du moins vous voulez bien la prendre. Est-ce que quelqu'un a une remarque, une question ? On a qui dans la salle, globalement, enfin en termes de profil ? La DCRI. Au moins un. Ah. Bonjour, je trouve intéressant parce que vous parlez beaucoup de hacker, mais finalement je pense que vous avez oublié le principal, sa principale définition, c'est on n'est pas un hacker, on est un hacker quand on est reconnu comme tel par la communauté. Ça c'est un point intéressant parce que sinon tout le monde va se croire un hacker, ça va être un peu n'importe ouais, quoi. Ouais, c'est vrai, effectivement. Second point, c'est marrant parce qu'il y a 10 ans, on ne parlait pas du tout de sécurité informatique, mais on en faisait vachement. Maintenant on parle beaucoup, mais on n'en fait pas. Donc peut-être qu'il faudrait revenir en arrière, simplement. Parce qu'il y a 10 ans, il y avait beaucoup d'équipes de sécurité de hack, etc. Maintenant, ça n'existe plus du tout. Est-ce que vous avez une explication là-dessus ou... Alors, j'en profite pour vous présenter Anthony Desnos, qui interviendra lui-même en conférence dans quelques minutes, dans quelques dizaines de minutes, je ne sais plus. Moi, effectivement, un hacker, on n'est pas un hacker, on est reconnu comme étant un hacker, donc tout le monde n'est pas hacker, et il faut être reconnu par un hacker en étant un hacker pour devenir un hacker. Ça commence à devenir difficile comme phrase à prononcer. Il y avait, on faisait plus de sécurité quand même avant. Aujourd'hui, c'est juste que c'est devenu un business, un espèce d'énorme business. On s'est tous dit, tiens, il y a moyen de faire des antivirus, enfin, en installant des antivirus, de faire du business, en créant un truc qui va pseudo-chasser les virus. Alors, Anthony Desnos est très très bien placé pour en parler. On chasse le virus à base de signatures, ça y est, on a un antivirus, ça y est, on le vend et on est riche. C'est un business, donc ouais, on en fait moins, ou alors on est... Ceux qui en font vraiment sont noyés dans la masse. Je ne sais pas si on en fait vraiment moins. En tout cas, les systèmes d'infos ont été en nombre démultipliés en 20 ans. Démultiplié, c'est même un faible terme. Et le nombre de personnes capables de faire de la vraie sécurité, lui, n'a pas été démultiplié proportionnellement. Donc, non, est-ce qu'on en fait moins proportionnellement ? Oui. En nombre, non. Maintenant, le nombre de cibles, lui, a été complètement démultiplié. Il y a ça, et il y a quand on croise un peu. Enfin, moi, je vais dans des écoles d'informatique, à l'université, où quand on demande aux gens qui sont en dernière année vers quoi vous allez vous destiner, ils veulent tous être chef de projet. Ils veulent tous faire de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Alors qu'il y en a pas un, qui est capable de coder une ligne de code propre. Pourquoi ? Parce que ça paye plus, en fait, aujourd'hui, d'être chef de projet, d'être mauvais chef de projet, que d'être un très bon technicien. Donc, tout le fond du problème, on en revient au nerf de la guerre qui est l'argent, et qui est la manière dont les compétences sont valorisées. C'est qu'on valorise absolument pas les compétences techniques, que ça soit en France ou dans d'autres contrées, on va valoriser les compétences managériales, les compétences commerciales, les compétences marketing, mais absolument pas les compétences techniques. Et je pense, enfin, pour la majorité d'entre vous, je pense que je parle à des convaincus. Juste pour rebondir sur la formation, c'est vrai qu'on ne forme pas assez d'étudiants spécialisés en sécurité informatique, mais ça s'applique pas qu'à ça, en fait. C'est un problème qui est plutôt général et qui s'applique à toutes les matières scientifiques globalement en France. Les étudiants choisissent de moins en moins ces filières-là, et donc c'est un ressenti au final forcément sur la filière sécurité, même si elle est un petit peu plus développée qu'avant. De toute façon, on n'aura pas plus d'étudiants, c'est comme ça, quoi. Il y a moins en moins d'étudiants en sciences. Non, je suis complètement d'accord. Les gens massivement aujourd'hui font des écoles de commerce ou des écoles de marketing et vont plus du tout sur les bancs de la fac ou dans des écoles qui sont à orientation scientifique. Et il y a aussi, comme tu disais, il y avait moins de personnes qui faisaient la sécurité dans l'entreprise. C'est parce qu'il y a un phénomène d'aspiration en ce moment qui est en train de se produire et qui est très mauvais au niveau de la France. Donc il y a deux ou trois entreprises qui aspirent vraiment tout. Ouais, tout à fait. Du coup, ça dessèche complètement les autres. Quoi, ouais, complètement. Parce qu'il n'y a plus personne. Et il y a un autre problème, c'est celui des formateurs. Parce que pour former des gens compétents, il faut des formateurs compétents. Les formateurs compétents, il faut déjà les motiver à devenir formateur. On n'est pas prof, on ne naît pas prof, même si on est très compétent techniquement, il y a des fois c'est juste une galère à être bon prof. Et en plus, il faut les payer, alors on va passer pour des vendus, hein, mais il faut les payer correctement, les bons profs, parce qu'ils ont des compétences qui sont capables d'aller vendre des milliers d'euros. Quand vous les payez 20 euros de l'heure dans une université, où ça doit être plus proche de 30 euros ou 35 euros de l'heure, mais ce qui est déjà pas mal, hein, je dis pas, mais voilà, il faut être capable de les payer, de les attirer et de leur filer de la matière à travailler. On a un problème
d'éducation en France, au moins parce que c'est un système que je connais, après à l'étranger éventuellement. Quand on disait tout à l'heure, la NSSI fait quand même une offre, c'est une espèce de, d'OPA hostile sur les étudiants en sécurité informatique. Bah oui, complètement. 80 étudiants informatiques, 80 postes à pourvoir en sécurité informatique par an, là où la France en forme vraiment des bons. J'étais pas à ton chiffre, hein. Ouais. J'étais pas à ton chiffre. On en a peut-être 10-15 nouveaux par an dans les congrès qu'on parcourt tous les deux. Ouais. 10-15 nouvelles têtes par an, c'est genre un maximum qu'on n'a jamais vu. Ils nous ont recruté 80 sur 15, ça fait. Il y a des étudiants en sécurité informatique dans la salle, tout là-bas. Oh, il y en a plusieurs. Je vais prendre plusieurs micros. Je me permets. Laisse-nous en un quand même. D'accord. Je vais aller jusque là-bas pour commencer, si ça t'embête pas. Et du coup, je pose la question pendant le temps. Vous avez été approché déjà ou pas? Moi non, jamais. En fait, justement, il y a un petit problème. En fait, je pense à ça. Mais par exemple, dans le cadre de mes études, je dois rechercher justement des stages. Sauf qu'en fait, on ne trouve pas d'entreprise qui nous recrute. Parce que, je sais pas, il y a effectivement peut-être un problème d'argent de ce côté-là. Il y a peut-être aussi le problème aussi de la crainte, quelque part, d'engager quelqu'un qui ne sera pas assez compétent, qui a peut-être recréé justement des faits par derrière. Alors que non, justement, nous, on veut s'améliorer, on veut faire des choses et on ne donne pas les moyens en fait. Que ça soit peut-être à l'école, je ne dis pas, mais en entreprise, oui c'est sûr, on a un problème de ce côté-là au niveau des stages par exemple. Bon, y a le cadre des stages, clairement. Là c'est un problème général à la formation pour ceux qui ne sont pas français. En France, on est passé depuis 2 ans à une loi qui nous dit que les stages de plus de 60 jours, je crois, doivent être payés obligatoirement. Au niveau des entreprises, clairement, ce n'était pas forcément voulu parce que le stage, c'est un don déjà de temps d'être humain en termes de management, en termes de compétences. Et en plus, il faut faire un don financier, même si je ne suis pas contre de payer les gens, les contraindre à payer des stagiaires. Je préfère, moi perso, il n'y avait pas cette loi-là, j'étais payé à la fin de mes stages parce que j'avais bien bossé. Il n'y avait pas un truc qui disait c'est le montant. Oui, il y a ça et il y a aussi le fait de proposer, d'avoir des sociétés qui soient capables de proposer des stages intéressants pour faire venir les meilleurs. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du challenge technique, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui proposent un vrai challenge technique. Et ça va devenir en plus avec la réglementation, ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc voilà, il y a ces deux problèmes là, quoi. C'est d'un côté il y a un phénomène, ce qu'expliquait Anthony, d'aspiration de 2-3 sociétés qui sont connues sur la place et qui aspirent toutes les compétences. L'agence nationale qui en aspire d'autres et ceux qui voudraient faire de la sécurité ou qui proposent pas forcément des choses aussi intéressantes. C'est les capteurs en fait, les capteurs pour trouver les. Enfin moi je vais être clair, hein, les gens que je les recrute soit sur Twitter soit sur IRC. Donc, là, j'ai embauché, pour ceux qui connaissent, Sanguinarius, de Backtrack. J'ai aucun... Et Matufutu, par exemple. Et Matufutu, pareil. Et c'est des gens, on va vers la RH, on dit, je veux bosser, c'est ces gens-là que je veux. La RH, elle vous regarde avec des yeux, mais c'est qui ces gars Sanguinarius, il est où donc, c'est qui ces personnes ça rentre pas dans les cases. Quand Laurent a dit qu'on allait faire pas la rémunération, non, juste l'entretien. L'entretien d'embauche, on l'a fait par Skype. C'était une révolution, quoi. Tout le souci est là, quoi. Tout le souci est là. C'est qu'aujourd'hui, il y a très, très. Les capteurs sont pas là et très peu de gens les créent et essayent de les faire vivre, quoi. Juste un dernier point pour répondre à sa question, parce que peut-être que ça terminera sa question aussi. Concernant l'embauche, une entreprise. Alors ça c'est une remarque de Paul qui est extrêmement bonne et je lui ai piqué le micro, donc je lui pique la remarque qui va avec. Une entreprise qui va embaucher en sécurité informatique, c'est donc forcément une entreprise qui s'inquiète, qui se méfie. Donc forcément elle va se méfier de qui elle embauche. Un stagiaire. A fortiori, vraiment encore plus. Pour comment la rassurer? Ça, c'était ma remarque, et en fait, on a mixé les deux. Et comment la rassurer? C'est avec les projets perso. Là, sur le board, il n'y a personne qui a suivi d'études de sécurité informatique.
Je dis pas de conneries, si toi. Ouais, je suis. Moi, j'ai, j'ai fait un cursus de 3 ans, mais on commençait la sécu dès la première année. D'accord. Donc, on a quand même un qui a fait des cours de sécurité informatique. C'est le seul, mais bon, ça lui a bien réussi, surtout sur la notion capillaire. Et on a tous fait des projets, un nombre de projets perso, que ce soit des blogs, des outils, des papers. Et ça rassurait nos employeurs, ça rassure nos futurs employeurs, ça rassure nos employeurs actuels, parce qu'ils voient l'étendue de nos travaux publiquement et la teneur de nos travaux, pour voir qu'on n'est pas que des méchants, on fait du disclosure, on essaye d'aider, de faire progresser la chose. Ça rassure. Si je peux me permettre de rebondir justement, ça c'est un point que tu soulèves. Ouais, t'en soulèves beaucoup. Le fait justement d'avoir un blog, d'avoir développé des outils, de beaucoup travailler avec la communauté du libre, notamment, hein, c'est pas négligeable, hein, c'est quand même l'un des intitulés du salon, ça fait une carte de visite. Et ça, c'est pas une mauvaise idée non plus quand on commence, quand on est étudiant. Plus tard, vous arrivez sur le marché du travail, vous avez quelque chose, on vous dit, bon, bah, vous êtes qui monsieur, vous êtes qui mademoiselle, et bah, tenez, regardez, moi j'ai fait ça. Et vous arrivez, vous avez un CV, la moitié de vos activités personnelles, elle est longue comme le bras. C'est le cas de Paul, et c'était mon cas aussi, où les gens me connaissaient en fait déjà, et ils sont plus ou moins venus me chercher. Ouais, alors, ouais, justement... Bah, c'est, d'un mot, s'il vous plaît. Ouais, je termine 2 secondes. En fait, ta remarque est juste, si les gens qui consultent ces travaux et voient ces travaux comprennent aussi les travaux. Et ça, c'est un autre débat. La première question émanait d'un étudiant de Supinfo, c'est ça ? La deuxième émane d'un étudiant également en sécurité informatique, ou ça ? Oui, je suis étudiant en licence professionnelle CDSI. Donc à Maubeuge ? Oui, à Maubeuge, dont Sébastien Baudru et Raphaël Rowe sont intervenants. Et voilà, je trouve que vous avez fait un constat, il n'y a pas assez de formation basée dans la sécurité informatique, que ce soit dans toute la France. Et il faudrait peut-être penser dans un premier temps à ça avant de vouloir recruter et... Enfin, trouver vraiment des personnes compétentes dans le métier. Il y a aussi le fait qu'il y a un truc qu'on n'a juste pas soulevé. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont chercher leurs experts, les gens en sécu, dans d'autres pays, Russie et Roumanie en tête. C'est une des raisons aussi, peut-être, parce que c'est une des raisons pour lesquelles la sécurité informatique, en tant que formation, ne se développe pas énormément. Dans les pays de l'Est, c'est... très développé, parce que, bon, on va être honnête, malheureusement, la plupart des virus viennent de là-bas. J'ai honte. Mais c'est pas un stéréotype, hein, c'est pas moi. Donc il n'y a pas assez de formation en France, en partie pour ça. Ouais, enfin, surtout pour revenir à ce que tu disais, en Roumanie ou en Russie, à la base, ils ont ça rejoint la remarque d'Anthony tout à l'heure, c'est que de manière globale, ils ont un très très bon niveau en mathématiques. Oui, je sais. Et aussi. Donc à partir de là, voilà, on continue, c'est la science, enfin, on reste dans la science, on reste dans le développement de la science, dans le développement de la connaissance, et pas du tout dans le... Enfin, même après, si ça fait du business, on n'est pas du tout dans le business. Chez nous, on n'est pas trop sur ce modèle-là, en fait. Non, c'est parce qu'enfin, dans le cas de la Roumanie, en tout cas, la Russie, je la connais moins, mais la Roumanie, je peux me permettre d'en parler, on a une vraie culture scientifique dès le berceau. Il faut savoir que la moitié des bacheliers qui sortent vont tenter l'école polytechnique, pour donner une échelle. Ouais, effectivement, pour rebondir, il y a encore un travail de sensibilisation et d'information globale à faire sur les chefs d'entreprise, en tout cas. Parce que je reviens dessus, hein, mais c'est vraiment eux qui vont débloquer la situation à chaque fois dans une boîte. C'est eux qui vont impulser justement les dépenses dans un sens ou dans un autre. Et les formations spécialisées, les conférences comme celle-ci, en fait, ça participe justement à ce que les chefs d'entreprise se rendent compte aussi, hein, de l'intérêt de la sécurité informatique. Donc finalement, c'est les RH et les RH pour remonter justement à la direction. Encore une fois, effectivement, quand vous avez une formation bien estampillée, CDSI par exemple, il faut toujours, pour une nouvelle formation, la faire connaître en fait auprès des chefs d'entreprise. Et au départ, et ça ne va pas vous plaire, mais les formations de propriété intellectuelle aujourd'hui, en droit, elles sont ultra, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a quasiment trop. Vrai qu'il y en a trop, parce qu'après, le problème, c'est les débouchés. Là, aujourd'hui, il n'y a plus. Réjouissez-vous, parce que aujourd'hui, en fait, finalement, il n'y a pas de problème, parce que tout est devant nous. Quelque part, il faut créer toutes les formations, et tout le monde veut travailler dans ce domaine-là, pour du bien, et il faut faire connaître. Voilà. Après, vous allez avoir, comme pour une entreprise, à un moment, ça va plafonner, et il y aura trop de formations, et en fait, finalement, il va falloir faire un tri,
dans ces formations, parce qu'il n'y aura plus de débouchés. Et là, effectivement, c'est le problème de la propriété intellectuelle. C'est ultra vendeur. Voilà. Non, mais oui. Mais oui, juriste. La propriété intellectuelle aujourd'hui, c'est en fait, on a envie d'y aller quand on est juriste, en fonction de notre sensibilité. Mais c'est un peu attirant. C'est plus attirant que le droit fiscal, basiquement. Aujourd'hui, il y en a trop, et donc il n'y a plus de débouchés, et donc il faut aussi maintenant se réorienter. Donc la sécurité informatique, vraiment, je vous le dis, réjouissez-vous, il y a du taf. Rien ne vous empêche non plus de vous former tout seul et de lire, de vous documenter, de chercher, de faire des challenges. Vous n'êtes plus des enfants, allez-y, testez-vous tout le temps. Il y a la collège ce soir, hein, si vous voulez vous former. Il y a des certifications, il y a des bouquins, il y a des blogs, il y a des conférences, il y en a plein. Et on ne peut pas tout faire dans une... Là, ton exemple, c'est la licence pro, je connais très bien. C'est chaud à monter, un cursus, là c'est universitaire, c'est genre pro plus plus, quoi. C'est chaud plus plus, pardon. C'est genre une misère sans nom. Une école privée, c'est encore pire. Il faut du pognon à mort et puis il faut le bras long pour faire reconnaître la formation. C'est pour ça qu'il n'y en a pas assez en France, parce que pour l'instant, ça n'intéresse que les técos comme nous qui se disent, tiens, on a peut-être un peu de savoir, peut-être pas du tout, c'est plus aux étudiants d'en juger, mais on a peut-être un peu de savoir, on veut le partager. Là, ça nous intéresse parce qu'au final, c'est pas un business. Quand il y en aura qui verront qu'on peut en faire un business, ça fera une école qui finira par avoir des locaux peut-être à San Francisco, à Hong Kong, au Canada, ça fera peut-être ça. Demain, vous aurez peut-être un énorme groupe de formation hyper spécialisé en sécurité info. Là, ouais, il y en aura plus. Et en même temps, quand il y en aura plus, il y aura trop de personnes qualifiées. Et donc, le marché du travail se sera cassé la gueule. Donc, en fait, il y en a pas assez, mais c'est un mal pour un bien. Et ceux d'entre vous qui vont faire l'effort de se former tout seul, en lisant, en écrivant, en venant rencontrer des gens, en traînant sur IRC, en se faisant embaucher par Skype, ça me fend le cœur, hein, j'allais dire ça me trouve le cul en fait, hein, de savoir que tu fais tes recrutements par Skype, quoi, genre, et le type il vient défendre son statut de hacker, c'est juste voilà, Skype, quoi. Mais faites-le, pas sur Skype forcément, il existe d'autres protocoles, Jabber, traînez sur IRC, là vous verrez, il y a vraiment, vous ne parlerez plus de il n'y a pas assez de formation, c'est il n'y a pas assez de temps tout simplement. Là. Bien, il va falloir, pardonnez-moi, il va falloir qu'on en reste là parce qu'on grappille quelque peu sur le temps d'Anthony Desnos. Bon, en tous les cas, je ne sais pas si on a répondu à notre question première, je ne sais pas même si ça n'en était une, mais en tous les cas, on a posé un certain nombre de problèmes et de questions, ceux de la formation, ceux de l'argent, ceux de la marchandise. Attention au matériel, voyons. Et également ceux de l'éthique. Merci beaucoup. Je vais me permettre de vous représenter Paul Da Silva, donc activiste, auteur du livre « Pirate-t-on la démocratie ?» Seb Baudru, que vous connaissez, de Drastic et de Akissi. Tris Akatrine est blogueuse, votre blog Hackers République avec un C.org. Raphaël Rowe, avocat au barreau de Paris, de Lille, pardon, merci. Et Sébastien Larigny, responsable technique chez Atheos. Merci, messieurs, dames. Place dans un tout petit instant donc à Anthony Desnos, qui est là-bas, qui va vous parler d'un logiciel de détection des plagiats, si je ne m'abuse. Merci.